Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'activité de la compréhension orale. Écoutez et comprendre une brève. Observons ensemble l'illustration qui se trouve dans la page 11 du manuel scolaire. Qui sont les personnages en présence dans cette image? Un père qui est en train de lire le journal et son fils à ses côtés. Le petit garçon a posé une question à son père. « Qu'est-ce que tu lis dans le journal, papa ?» D'après toi, quelle serait la réponse du père ? Ici, plusieurs réponses possibles vous sont proposées. Donc, le papa peut lire plusieurs choses. Un article, une brève, il peut jouer à des mots croisés, comme il peut lire les principaux titres, des annonces et plein d'autres choses. Maintenant, tu vas écouter un document sonore. N'oublie pas de lire les questions avant chaque écoute. Là, on va commencer à lire les questions. Après, on va écouter ensemble le document sonore. Vous pouvez prendre des notes. Maintenant, je vais vous lire les questions. Première question. Que lit finalement le papa dans le journal? Deuxième question, dans quelle rubrique se trouve cette information? Rubrique sport, rubrique société, rubrique politique ou bien rubrique économie? Au fait, c'est quoi une rubrique? Une rubrique, c'est une catégorie. Qu'est-ce que tu lis dans le journal, papa? Mon fils, je suis en train de lire une brève très intéressante dans la rubrique Société. Que rapporte-t-elle? Eh bien, durant ce week-end, la rentrée au théâtre régional d'Oran ne se fera pas par billetterie, mais avec des livres. Autrement dit, il suffit à la personne désireuse d'accéder au théâtre, non pas de s'acquitter du prix de son billet, mais de laisser un livre à l'entrée. Mais que font-ils de tous ces livres? Le but de cette initiative est d'acquérir un lot de bouquins en vue de les offrir à la bibliothèque de l'hôpital pédiatrique de Canastelle. Maintenant, on va répondre à toutes les questions. Première réponse, le papa lit une brève. Deuxième réponse, cette information se trouve dans la rubrique Société. Maintenant, on va voir les questions de la deuxième écoute. De quel événement s'agit-il dans cet article de presse? L'entrée au théâtre régional d'Oran, l'entrée à l'hôtel royal d'Oran ou bien l'entrée au stade Zabana d'Oran. Donc, la bonne réponse c'est la première. L'entrée au théâtre régional d'Oran. Deuxième question, où et quand l'événement rapporté a-t-il eu lieu? C'est au théâtre régional d'Oran. Le temps, c'est durant le week-end. Maintenant, on va passer aux questions de la troisième écoute. Comment se fera l'entrée au théâtre régional d'Oran ce week-end? L'entrée se fera avec des livres. L'entrée sera gratuite ce week-end. L'entrée se fera avec des billets. Bien sûr, l'entrée se fera avec des livres. Première réponse. Mais pourquoi avoir choisi ce moyen d'entrée inhabituel ce week-end? Notre réponse c'est pour avoir un grand nombre de livres afin de les offrir à l'hôpital pédiatrique d'Oran. Quatrième question, à quelle question as-tu répondu pour avoir l'essentiel de l'info? Donc, on peut poser la question, il s'agit de quoi dans cet article de journal? Bien sûr, il s'agit d'une organisation, d'une entrée inhabituelle.
Et comment on a fait cette entrée? Avec des livres à la place des billets. Quand? Ce week-end. Pourquoi? Pour offrir des livres à l'hôpital pédiatrique d'Oran. Où? À Canastelle. L'info rapportée par ce document est-elle détaillée ou bien brève? Bien sûr, elle est brève. Elle nous rapporte que l'essentiel. Sais-tu comment on appelle les informations rapportées de façon courte et concise? On les appelle une brève. Finalement, la brève est un article très court, sans titre ni paragraphe visible. Elle livre une information très précise. Je vais plus loin, je donne mon avis. Que penses-tu de cette initiative prise par la direction du théâtre régional d'Oran? Là, vous allez essayer de construire des phrases simples avec vos propres mots. On peut proposer comme exemple: je pense que c'est une très bonne initiative parce que le livre reste un moyen très important pour le développement intellectuel. Moi aussi, je crois que la lecture améliore nos connaissances.